Salut! Est-ce que vous n'en avez pas assez des synthétiseurs analogiques? Est-ce qu'on n'en a pas un peu trop eu? Ouais, j'ai un synthé analo. Wow! Oh, c'est top! Soyons sérieux 2 minutes. Alors oui, il y a eu pas mal de synthés analo ces derniers mois, voire dernières années. Et c'est vrai qu'on a eu droit à des machines vachement sympas. Aujourd'hui, j'ai la joie de tester le Yamaha MODX version 61 notes. Superbe synthétiseur de Yamaha qui sort, ben, aujourd'hui. Hé! Hey, c'est cool! Quel hasard! On va remercier Jean-Michel Yamaha pour nous avoir prêté ce synthétiseur qui est une pré-version. Donc tout ce que je vais vous dire peut être sujet à changement. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de changements. On m'a assuré que ce que j'avais, c'était quand même relativement proche de la production. Donc voilà. Bon, c'est bien. On va pouvoir l'écouter. Enfin, pour ça, faudrait l'allumer. Ouais, ce sera mieux. Alors plutôt que de vous parler du MODX pendant 7 heures, je vais essayer de résumer. Ce nouveau synthé de Yamaha est une machine qui se décline en 3 versions, 61, 76 et 88 notes. Ici, j'ai la version 61 notes. Le synthé dispose d'un écran tactile et du fameux Super Knob, apparu pour la première fois sur le montage, et qu'on pourrait décrire comme un super métapotard auquel on peut affecter plusieurs paramètres simultanés. Et comme d'habitude chez Yamaha, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boutons. Et si Yamaha se refuse à dire qu'on a affaire à une version édulcorée du montage, mon avis perso, c'est que ce MODX a tout de même un tout petit air de famille. Le clavier de cette version 61 touches, qui, à l'inverse d'autres marques, est un design 100% Yamaha, est sensible à la vélocité mais sans aftertouch. Et si au premier contact ça ne paye pas de mine, il est à l'usage extrêmement agréable à jouer. A noter, les claviers des versions 76 et 88 notes sont différents, et la version 88 est évidemment équipée d'un toucher lourd de type piano. En face arrière, outre les sorties audio stéréo et la sempiternelle interface MIDI in et out au format DIN, on trouve de quoi connecter jusqu'à 4 contrôleurs au pied, dont une pédale de sustain, un commutateur au pied assignable et deux contrôleurs continus type pédale d'expression. Yamaha annonce donc clairement la couleur avec ses contrôles destinés au jeu en live. Près de la sortie casque, on trouve aussi une entrée audio stéréo qui peut accepter des signaux ligne ou micro. Sur la droite de la machine, un port USB de type A et un autre de type B, donc de quoi vous brancher sur votre ordinateur ou brancher un disque dur externe pour charger vos propres formes d'onde. Dans le package, on a donc deux moteurs de synthèse, AWM2 et FMX, le premier basé sur des tables d'ondes et le second sur de la FM à 8 opérateurs. Yamaha fournit plus de formes d'ondes que vous n'en aurez jamais besoin, mais sachez que si vous pensez que c'est pas suffisant, c'est aussi extensible via le site Yamaha Music Soft. Le MODX intègre la techno Seamless Sound Switching qui permet pour certains sons de passer d'une performance à l'autre sans interruption. L'élément de plus haut niveau, c'est ce qu'on appelle donc une performance, qui peut abriter jusqu'à 16 parts et qu'on peut soit répartir ou superposer sur le clavier. Une table de mixage virtuelle facilite le mélange des différentes parts, qu'on peut égaliser et traiter avec des effets. On peut aussi utiliser le MODX en multitimbral avec sa station de travail audio numérique. Le synthé permet d'ailleurs de transférer jusqu'à 10 canaux audio vers l'ordinateur via un simple câble USB, donc plus qu'il n'en faut pour construire des maquettes sérieuses. La machine embarque aussi des effets, jusqu'à 2 en insert sur chaque part, limité à 12 effets au total pour toute la performance, 13 si on compte celui applicable à l'entrée audio, auquel s'ajoutent 2 effets globaux à toute la performance. Ça peut être par exemple une reverb ou un chorus. On peut aussi aller très loin dans le routage et la programmation des parts, chacune d'elles disposant de 8 éléments basés sur table d'ondes ou 8 opérateurs FM selon le type de moteur de synthèse choisi. Bien sûr, vous y trouverez tout ce qu'il faut pour faire de la synthèse soustractive, des filtres, des enveloppes, un LFO, tout ce qu'il faut pour faire de la synthèse FM, le tout dans un système de menu très intuitif basé sur une navigation par onglet. En bref, si on résume, une performance c'est donc 16 parts de 8 éléments avec jusqu'à 13 fois 2 effets d'insert plus 2 effets globaux. Ça fait du monde! Côté réglages globaux, pas mal d'options également, comme la possibilité d'utiliser le bus USB pour véhiculer le son. Ça permet d'utiliser la sortie casque de son ordinateur pour entendre le MODX, mélangé à des instruments VST par exemple. Pratique! Mais on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire utiliser le MODX comme carte son et écouter ce qui provient de son ordinateur via la sortie audio ou la sortie casque du synthé. La machine vient aussi avec un petit enregistreur très basique pour vous permettre de coucher vos idées. Et même si pour être honnête avec vous, ce n'est pas hyper flexible, ça reste un plus de l'avoir sous la main. Non, là où ça devient vraiment très intéressant, c'est quand on regarde les possibilités de l'arpégiateur et du fameux motion sequencer. Le MODX vient avec des centaines de motifs d'arpèges, adaptés à tous les styles de musique et tous les types de sons, et qui sont minutieusement classés par catégorie. Le revers de la médaille, c'est que si vous cherchez à activer rapidement un bête arpégiateur pour égrener les notes d'un accord, il va falloir prévoir quelques minutes pour configurer tout ça quand même. Le motion sequencer, quant à lui, va animer les paramètres de votre choix, et si sa configuration n'est pas des plus simples, c'est d'une puissance assez incroyable. Pour vous en convaincre, il n'y a qu'à écouter les presets du MODX, dont la plupart exploitent parfaitement ces possibilités.
Bien entendu, on peut aussi moduler les paramètres du motion sequencer, les affecter à des pédales, aux super knobs, aux boutons assign disponibles sur la face avant, etc., etc. Et si tout ça ne suffisait pas encore, on peut enregistrer jusqu'à 8 scènes, ce qu'on pourrait décrire comme un ensemble de paramètres de votre performance, et qu'on peut mémoriser et rappeler d'une simple pression sur un bouton. Et si tout ça ne suffisait toujours pas, on hérite d'une fonction rhythm pattern, qui vous permet d'ajouter très rapidement un accompagnement rythmique et qui peut même varier quand on couple cette fonction aux scènes. Non, clairement, ces types sont complètement dingues, de grands malades. Alors vous allez me dire, encore un énième synthé Yamaha. Et pour être honnête avec vous, c'est aussi exactement ce que je me suis dit, avant de l'allumer. Oui, mais alors vous me direz, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Déjà, le prix, annoncé à un peu plus de 1 400 € prix public, donc probablement un peu moins cher dans vos magasins favoris. Honnêtement, c'est vraiment un super package pour une machine avec toutes ses fonctionnalités. Car pour ce prix-là, on a des milliers de sons superbes dans tous les styles, les contrôles comme le Supernome, le Motion Sequencer, qui est absolument redoutable pour l'évolutivité de vos sons en studio comme en live, et toutes les possibilités de jeu en live, de modulation dans tous les sens, pour peu que vous soyez un peu motivé pour aller programmer tout ça, bien sûr. Mais surtout, vous avez aussi une interface audio, que vous pourrez utiliser pour brancher sur une paire de moniteurs et reproduire les sons en provenance de votre ordinateur. C'est du pur délire! Pour moi, c'est clairement carton plein. Dernier point super positif, avec tout ça, on a presque comme un montage dans un poids-plume. Et tous les sons qu'on va pouvoir fabriquer sur un MODX seront lisibles sur un montage. Donc avis à tous les home studistes fauchés ou pas trop musclés, c'est clairement une machine très attirante. Je vais être totalement honnête avec vous, j'ai eu du mal à la rendre, et je me dis que c'est une machine que je pourrais tout à fait acheter pour mon usage personnel tellement je l'ai trouvé génial. En revanche, attention, c'est une machine qui demande à être maîtrisée. Elle a certes un côté très immédiat avec des milliers de presets qui sont tous canons, mais si vous voulez en tirer la quintessence, il va falloir sérieusement potasser le manuel. Quelques différences à noter avec le montage, un boîtier en plastique moulé à la place d'un boîtier en alu, une alimentation externe, moins de boutons en accès direct, la polyphonie FM un peu réduite, un nombre d'effets un peu plus réduit également, le seamless switching réduit à 4 parts, et la mémoire flash de 1 giga contre 1,8 giga sur le montage. Alors vous avez compris, ce qui est génial dans cette machine, c'est son côté musical. Et oui, c'est avant tout les sons. On a quand même une construction correcte, même si c'est relativement plastique. On a ce qu'on a pour le prix qu'on paye, c'est tout à fait normal. Et globalement, il y a quand même tout ce qu'il faut pour vraiment s'éclater. L'écran, c'est vraiment un plus. Ça permet d'aller naviguer de manière très facile dans les différents sous-menus. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein. Et c'est un peu le défaut de la qualité de ce synthé. Il est ultra puissant, comme vous avez pu l'entendre. Donc il y a plein de menus, plein de sous-menus, et c'est pas forcément le truc le plus intuitif du monde. Cela dit, bon, si vous lisez quand même un peu la doc, vous devriez être à même de vous en sortir. Alors là-dessus, faut pas espérer avoir la même chose que si vous achetez par exemple un Moog. Déjà, c'est un synthé polyphonique, multitimbral. Il y a un mode performance, il y a des fonctions live qui sont très poussées. Le motion sequencer, c'est vraiment le truc qui donne de la vie au son. Grâce au Supernob, vous allez pouvoir faire des trucs de malade. Le Supernob peut aussi être assigné à une pédale. Enfin, il y a énormément de possibilités dans cette machine. Donc c'est ce qui en fait un truc un tout petit peu compliqué, malheureusement. En même temps, on se dit, quand on va acheter ce synthé, on va en avoir pour un certain temps, on en a pour son argent. On va pas arriver au bout du truc tout de suite, et quelque part, c'est pas plus mal. Le clavier en lui-même, c'est assez surprenant, parce que quand on le touche, il donne vraiment une impression de plastique. Mais quand on le joue, et qu'on a soit le casque sur les oreilles, soit le son aux enceintes, l'expérience est totalement différente. Et le clavier devient extrêmement agréable à jouer. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce clavier, y compris la version 61 notes. Là où cette machine vraiment excelle, c'est qu'elle est ultra puissante dans sa capacité à faire de la modulation avec son motion sequencer, ses scènes. On a vraiment quelque chose qui est ultra complet. Donc en fait, on a le meilleur des deux mondes. On a plein de sons, et on a aussi la possibilité d'aller triturer et d'aller fabriquer ses propres sons. Et on trouve dans ce synthétiseur tout ce qu'on est en droit d'attendre pour faire de la synthèse soustractive et de la synthèse FM. Donc c'est cool. Ouais, je valide.
Bon, ce MODX, je l'ai obtenu par Yamaha directement pour pouvoir faire un test avant sa sortie. Donc je voudrais les remercier pour ça, parce que honnêtement, je me suis vraiment bien amusé avec ce MODX. Ça m'a fait rigoler parce qu'ils m'ont dit « Ouais, attention, faut pas en parler, ça sort qu'au mois de septembre. » Et puis quand j'ai reçu le carton, il y avait écrit « Yamaha MODX » dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, toutes ces sortes de choses. Les Sondiers, c'est aussi une émission de radio, vous pouvez l'écouter tous les lundis, on stream en direct à 20h30 et c'est aussi disponible en podcast. Et puis n'oubliez pas Tipeee, c'est une plateforme française sur laquelle vous pouvez nous donner 1 euro, 2 euros. Par exemple, si vous êtes 15 millions à nous donner 1 euro, ça va faire pas loin d'un peu plus de 10 millions ça. Ouais. Voilà, et si vous voulez acheter du matos, vous pouvez aussi passer par nos liens d'affiliation qui sont dispo dans la description de cette vidéo. Bon, bah moi, ça m'a plu. Ouais. Au revoir. Merci Yamaha. Ciao. We'll be right back.